I am alive! Et oui, une nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'étais obligé de vous faire quelque chose de spécial, tout simplement, car cette année, en novembre, on y est, c'est les 20 ans de la Dreamcast. Et donc, tout simplement, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo spéciale Dreamcast pour fêter ça. 実は今日発売される新型ゲーム機ドリームキャストを買うために徹夜で過ごした人たちの行列です。一歩前へ出てください。恐れ入ります。急にお店の前が騒がしくなりました。午前7時35分です。どうやらドリームキャストの発売が開始されたようです。いつもより3時間も早い開店となりました。ドリームキャストどうです。このメーカーがこれまでに販売したゲーム機は市場のシェア争いで次々に敗れてきただけに、今度こその思いは並大抵ではありません。今までのゲーム機とコントローラーは似たような感じなんだけれども、とにかく絵が綺麗です。Rien d'exceptionnel, hein. Je vais juste rapidement vous parler de quelques jeux, principalement deux jeux de combat, car en effet la Dreamcast a eu la chance d'avoir énormément de jeux de combat qui étaient aussi bien en 2D qu'en 3D, et surtout des jeux qui ont marqué leur époque, qui ont permis des portages très très fidèles à l'arcade, et qui, personnellement, je trouve, est encore aujourd'hui la meilleure console pour les jeux de combat en 2D qui sont sortis à l'époque. Donc, on va partir tout simplement de des jeux PAL. Donc, je vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun, mais je vais vous présenter les jeux que j'ai dans ma collection. Alors je pense pas avoir peut-être tous les jeux de combat, mais j'en ai une grosse partie. Et ensuite je vous présenterai également les jeux japonais que je possède, en essayant peut-être de vous présenter rapidement les jeux, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime moins, etc. On va commencer par tout simplement le gros classique, on va dire, le jeu le plus courant en 3D sur Dreamcast, tout simplement le Virtua Fighter 3. Donc Team Battle, tout simplement, c'est un Virtua Fighter qui est la suite directe du deuxième opus sorti sur Saturn. Et cet épisode est vraiment très sympathique. Il apportait beaucoup de choses intéressantes, d'ailleurs, à l'époque. Le plus important, je pense, était au niveau des décors, où on avait droit à des décors en mode dénivelé. Vous aviez des escaliers, vous aviez des toits, ce qui permettait aussi d'apporter une certaine technicité dans vos placements dans le décor lors des combats. Donc je sais que il y a toujours une grosse école Virtua Fighter, Tekken. Moi, j'étais plutôt de l'école Virtua Fighter. J'aimais beaucoup ce style de combat où chaque personnage avait vraiment une technique propre et très fidèle aux arts martiaux traditionnels qu'il représentait. Donc voilà, très très bon jeu. J'apprécie personnellement très fortement ce jeu. Ensuite, un jeu que beaucoup de personnes apprécient. Et je dois bien vous avouer que moi, personnellement, ce jeu, j'ai jamais vraiment accroché. Il s'agit tout simplement de Power Stone. Donc Power Stone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de combat dans une arène, donc un Arena Fighters, j'en présenterai un autre d'ailleurs juste après, plutôt sympathique, mais j'ai toujours trouvé que le jeu était assez brouillon, peu technique, peut-être à tort, j'ai certainement pas suffisamment creusé le jeu, et donc voilà, ce qui fait que ce jeu, j'ai malheureusement jamais accroché à celui-ci. Je pense que c'est un jeu qui, probablement, il y a toute sa quintessence qui apparaît lorsque vous jouez avec des potes. Moi, c'est vrai que j'ai jamais joué avec des amis à cet opus-là, en tout cas. Donc, voilà, ce qui fait peut-être que le jeu m'a pas forcément marqué. En tout cas, ce qui est aussi pas mal, c'est que... Alors, est-ce que c'est dans l'opus suivant, on peut jouer à 4 en même temps. Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, un jeu qui est la suite d'un jeu sorti sur PlayStation 1. Il s'agit tout simplement du Plasma Sword. Donc, Plasma Sword, c'est un jeu où vous combattez avec des armes blanches futuristes. C'est la suite... Alors attendez, j'essaie de me souvenir du nom du jeu sur PlayStation 1. Zut. J'ai un trou. Bon, marquez dans les commentaires si vous le souhaitez. Un jeu plutôt sympa qui est peu connu pour le coup sur Dreamcast. Et qui surtout n'est pas forcément le plus, on va dire, encensé. Et pourtant, moi, j'aime bien ce jeu. Je le trouve plutôt sympathique. Donc, voilà. Chaque personnage ayant un petit peu ses propres prédispositions au combat à l'arme blanche. Donc, plutôt sympa. Un deuxième, jeu en mode arena.
même si j'étais pas forcément sûr de le classer dans le mode versus celui-ci, il s'agit tout simplement de Spawn in the Demon Hands, qui est une exclusivité Dreamcast. En effet, celui-ci est le portage d'un jeu d'arcade et il n'est sorti sur aucun autre support. Vous êtes en fait en mode arène, dans une arène avec 3 autres joueurs pour le coup, et vous devez vous taper sur la gueule. Plutôt sympa, un bon défouloir, ça reste un petit jeu hein, bien sûr, mais ça reste un jeu vraiment sympathique pour la Dreamcast, et surtout ça reste une exclue sur console de salon. Ensuite, un des plus bons jeux de la console, en tout cas certainement le meilleur en mode combat 3D, tout simplement le Soul Calibur. Donc Soul Calibur, c'est un jeu qui a réussi l'exploit de transcender la version arcade grâce à cette version Dreamcast. Déjà, premièrement, graphiquement, il met une claque à tout ce qui avait été fait auparavant. Ensuite, il propose un nombre extrêmement important de modes de jeu, avec beaucoup de bonus à débloquer, avec un mode histoire où vous voyagez sur une carte vraiment sympa, avec des combats avec des bonus malus très ingénieux. Donc vraiment c'est un magnifique jeu qui encore aujourd'hui je trouve est extrêmement bon. Ensuite je vais vous parler de deux jeux. Alors j'ai surtout joué au deuxième opus pour rien vous cacher. D'ailleurs le premier est encore sous blister, je ne l'ai pas dévisté. Il s'agit tout simplement des Ready to Rumble, donc avec le Round 2 et le premier Ready to Rumble Boxing. Donc un jeu très sympa, très arcade, où vous êtes dans une arène, sur un ring tout simplement, une arène sur un ring plutôt. Vous devez donc vous battre avec chaque personnage ayant également des allonges et des coups spéciaux à proprement parler. Vraiment très cool et un jeu pour le coup aussi bien seul qu'à deux, extrêmement fun. Donc voilà, ça termine les jeux en mode PAL. Et maintenant, on va parler des jeux que je possède dans ma collection en mode jeu japonais. C'est parti. Alors, par où commencer? Il y a énormément de jeux japonais, plus d'une vingtaine que je dois vous présenter. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre. Je pense que je vais commencer par vous présenter les jeux SNK. Ce sera peut-être le plus efficace. Avec notamment les 5 King of Fighters sortis sur la Dreamcast. Donc on a droit au Dream Match 99, au King of Fighters 99 Evolution, au KOF 2001, au KOF 2000, je ne fais pas dans l'ordre mais c'est pas grave, et au KOF 2002. D'ailleurs je me rends compte que ma boîte est pétée. Donc voilà, donc 5 jeux vraiment extrêmement intéressants. Des plutôt bons portages, des versions Neo Geo pour le coup, sachant que moi mon préféré restant le Dream Match 99 qui est en fait un remake du 98, le 98 étant un de mes opus préférés, ainsi que le 2000 qui est vraiment très bon. Donc c'est des jeux bien sûr à posséder et à jouer au stick arcade pour vraiment en profiter, on va dire, comme à l'époque, hein, sur une borne d'arcade ou sur Neo Geo. Donc d'ailleurs je vous ai pas présenté, mais c'est vrai que j'ai une borne ici, je peux vous la montrer. C'est quand même important vu qu'on parle de jeux d'arcade. Hop, en mode noob. Hop. Bon, celle-là est un petit peu jaunie, j'en ai une deuxième là-haut. Voilà. Donc les sticks arcade Dreamcast, comme vous pouvez le voir. Donc avec les boutons verts, très sympathiques. Voilà, très efficace, vraiment un des meilleurs sticks qui soit sorti pour moi sur console, qui est vraiment très sympa et très efficace et qui répond au doigt et à l'œil. Donc vraiment toujours très cool. Vous ne pouviez pas mettre de vibration, par contre vous pouviez mettre une VMU directement ici, donc pour sauvegarder les jeux, et vous aviez l'écran pour vous donner des datas, notamment dans certains jeux de combat, la santé, des informations sur des coups, ce genre de choses. Donc plutôt très sympa. Donc voilà sur la partie King of Fighters. Ensuite, on va rester un petit peu sur du SNK, le Garou Mark of the Wolves. Donc personnellement, je vais en décevoir certainement beaucoup, mais c'est un Fatal Fury que je n'apprécie pas énormément. Je sais pas trop vous dire pourquoi, je le trouve un peu moins péchu. Il est très beau, ça c'est sûr, mais je le trouve moins péchu que les opus que j'ai pu tester, notamment les Real About, qui sont pour moi la quintessence des jeux Fatal Fury.
Donc voilà, plutôt déçu par ce jeu, même si j'y joue régulièrement quand il y a des amis qui viennent à la maison. Mais c'est clairement pas le jeu auquel je vais jouer spontanément tout seul. Ensuite, on va parler d'un petit... Est-ce que j'ai d'autres jeux de SNK? Je suis pas sûr, il me reste pas mal de Capcom là. Capcom... Là, il y a du Capcom encore. Alors, c'est pas du SNK. Ah, si, c'est du SNK, pardon. On va parler également d'un dernier jeu SNK que je n'ai pas encore mentionné. Donc, je vais pas vous faire le nom en complet parce que le nom en complet, c'est Baku Matsuroman Dai ni Maku Geka no Kenshi Final Edition. Un peu long, un peu compliqué. Donc, tout simplement, le Last Blade 2 Final Edition. Donc, pour le coup, un jeu moche, mais extrêmement bon, extrêmement technique et que j'adore personnellement. À chaque fois que quelqu'un vient à la maison, j'essaie de lui faire découvrir ce jeu. Donc tout simplement, Last Blade, c'est un jeu de combat à l'arme blanche, un peu dans l'esprit de Samurai Shodown. Shodown plutôt. Donc voilà, vraiment très sympa, très rapide, très dynamique. Vous avez la possibilité de jouer en différents modes de jeu avec le même personnage pour mettre des coups rapide mais faible, ou lent mais fort. Enfin voilà, vraiment un jeu vraiment très 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 sympathique que j'aime beaucoup. Et ensuite, avant de partir sur les jeux Capcom, parce qu'il y en a énormément, Capcom ayant soutenu très fortement la Dreamcast, on va parler de trois autres jeux. Tout d'abord un jeu Sega, le Virtual On. Donc alors Orotario Tangram. Donc celui-ci, c'est la suite spirituelle donc du Virtual On sorti sur Sega Saturn, qui est identique, sauf qu'il est beaucoup plus beau et beaucoup moins jouable. En tout cas, injouable avec la manette de base de la Dreamcast. Il vous faut, et je ne les ai pas malheureusement, obligatoirement les doubles sticks pour pouvoir profiter pleinement du jeu. En effet, les commandes ont été très très mal pensées pour la manette de base de la Dreamcast, étant donné que vous devez, en fait, s'il y aurait deux sticks, ça aurait été parfait, mais vu que vous n'avez qu'un stick, c'est injouable, c'est vraiment injouable. Ceux qui ont déjà essayé, ben voilà, n'hésitez pas à m'en parler, voir si vous êtes du même avis que moi, mais à la manette, ce jeu, faut oublier, faut vraiment les doubles sticks pour pouvoir en profiter. Ensuite, on va parler de deux jeux en 3D également. Tout d'abord, le Fighting Vipers 2, qui est la suite du premier opus sorti sur Saturn, qui est ici, là, derrière, qui est un jeu très sympa aussi, qui est sorti également en PAL, mais que je n'ai que en japonais, personnellement, ça me va très bien. C'est un jeu plutôt cool, qui est moins bon que les opus, pour le coup, Saturn, mais qui reste agréable à jouer. Le principe du jeu, c'est que vous possédez, en fait, une armure, et que cette armure vous protège de pas mal de coups, et au fil du combat, l'armure peut se détruire, et donc, vous allez subir de manière beaucoup plus forte les coups de vos adversaires. Donc il faut prendre ça en considération. Vous êtes en plus dans une arène fermée que vous pouvez péter en mode finishing à la fin lorsque vous portez un énorme coup à l'adversaire. Donc un jeu plutôt sympa. Et enfin, en 3D, le dernier jeu 3D que je possède, un des meilleurs jeux pour moi également avec le Soul Calibur, il s'agit du Dead or Alive 2. Un jeu très technique, sur base justement de beaucoup de contre et chop et contre chop, etc. Donc un jeu qui certes met en avant la plastique très agréable de ces demoiselles. D'ailleurs vous voyez que je n'ai pas la boîte originale vu que j'ai dû la remplacer. Mais qui reste pour moi un jeu très très bon et qui également sortira sur PlayStation 2 et qui est aussi très sympa sur PS2. C'est terminé pour les jeux en 3D et on va passer immédiatement au jeu de combat estampillé Capcom. Alors, parlons maintenant de jeux Capcom. Et il y en a une pléthore, on va compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'ailleurs, c'est pas du Capcom ça, pourquoi ça fout là? C'est plus Samy. 11 donc. Et on va parler directement de ce jeu. J'aurais pu d'ailleurs commencer par celui-ci, qui est aussi un de mes jeux préférés sur la Dreamcast et qui est, je pense, d'un point de vue graphique, le plus beau jeu Dreamcast qui existe en 2D. Tout simplement le Guilty Gear X, donc qui est un jeu donc de combat, le deuxième opus, si je ne dis pas de bêtises, sachant que le Guilty Gear premier nom était sorti sur PlayStation 1. Donc Guilty Gear X est vraiment un magnifique jeu
qui est assez technique pour le coup. Il demande pas mal de prise en main, où vous pouvez effectuer pas mal d'actions qui à l'époque étaient plutôt inédites, type double saut en l'air. C'est-à-dire vous faites un premier saut, si vous rappuyez sur haut, hop, vous faites un deuxième saut, et ce qui permet pas mal de combat en fait en mode aérial plutôt sympathique. Donc vraiment cool, il est très bien pensé, le système de frame est vraiment bon. Le jeu est bon dans son ensemble, est vraiment agréable. Ensuite, je vais vous parler donc de jeux Capcom, comme je vous l'avais dit initialement. On va commencer par le Vampire Chronicle. Donc celui-ci regroupe, alors est-ce que c'est indiqué là ? Oui, mais en japonais. Alors, il regroupe tout... Excusez-moi. Le Vampire Chronicle est un opus spécial pour la Dreamcast. Vous pouviez d'ailleurs y jouer en ligne. Et il regroupe donc la majorité des personnages donc, de la série Vampire Savior, Vampire Chronicle, Vampire Hunter, enfin voilà, toutes ces séries-là, avec des personnages comme Dimitri, qui était un de mes personnages préférés, la fameuse Morrigan, que vous retrouvez dans d'autres jeux de combat également derrière. Donc voilà, où l'univers en fait est basé sur les monstres. Vous avez un monstre type Frankenstein, vous avez un zombie, vous avez un vampire, enfin voilà. Il y a tout cet univers-là qui est représenté en jeu de combat 2D. Un jeu vraiment sympa que je vous conseille évidemment, et je conseille d'avoir la série dans sa globalité. Ensuite, on va parler de crossover un petit peu, pour commencer. Alors, on va faire quoi en crossover ? Hop. On va commencer par ça. Voilà. Donc, il y a 4 jeux de crossover qui sont sortis sur la Dreamcast. Il y a d'abord le Capcom versus SNK. Donc, je possède le premier épisode, mais en mode pro. Donc, c'était un opus qui était sorti un peu plus tard. À la base, en fait, le jeu, il n'y avait ni Joygashi ni Dan dans le jeu. Et en fait, les fans ont demandé à ce qu'il soit dans le jeu. Et donc, la réponse en fait de Capcom à cette demande, c'est simplement cette version qui est sortie plus tard. Donc, Capcom versus SNK Millennium Fight 2000 Pro. Donc, un très très bon opus où vous avez les personnages de Capcom et de SNK qui s'affrontent. Il y a pas mal de personnages, il doit en avoir à peu près 25 de mémoire. Donc, plutôt très sympathique. Ensuite, vous avez un jeu justement où il y a encore plus de personnages et qui est encore meilleur. C'est bien sûr le Capcom versus SNK 2. Donc, Millionaire Fighting 2001 en sous-titre. Donc, un jeu extrêmement bon, pour beaucoup le meilleur jeu de combat 2D de la Dreamcast. Je suis plutôt d'accord avec eux. C'est un de mes jeux préférés également de mon côté. Ensuite, il y a donc bien entendu des jeux qui sont sortis, en tout cas un des jeux qui est sorti chez nous, le Marvel vs Capcom, donc premier du nom, très sympathique, qui regroupe donc les personnages d'un côté de Marvel, avec Hulk, avec Iron Man, etc. Et de l'autre côté, tous les personnages donc de Capcom, avec bien sûr les personnages de Street Fighter, mais aussi vous avez Strider, vous avez donc justement Morrigan, vous avez donc Megaman, vous avez qui d'autre que je pourrais... Vous avez Arthur, enfin voilà, et côté donc Marvel, vous avez sur la jaquette Spider-Man, Cyclope, vous avez Iron Man, Wolverine, Captain America, Venom, Colossus, Juggernaut, très sympa, un jeu auquel j'ai énormément joué en arcade personnellement à l'époque. Et quelques années plus tard est sorti un des meilleurs jeux de la Dreamcast également, le Marvel vs Capcom 2. Donc pour le coup, celui-ci, il y a plus d'une cinquantaine de personnages. Alors, c'est d'ailleurs un truc assez intéressant, c'est que sur cette version japonaise, il y a une trentaine de personnages disponibles et la bonne vingtaine, trentaine de personnages en plus sont à débloquer. Et certains sont d'ailleurs très difficiles à débloquer, étant donné que vous deviez connecter en fait une... WonderSwan ? Non. Neo Geo Pocket, merci. Neo Geo Pocket pour pouvoir les débloquer. Il doit y avoir 5 ou 6 personnages comme ça. Il y a des personnages où vous deviez les débloquer en allant sur la borne d'arcade avec votre VMU pour pouvoir la débloquer. Ce qui fait qu'en fait sur cette version japonaise, c'est très compliqué d'avoir tous les personnages. Alors que sur la version PAL, tous les personnages, en tout cas une grosse partie d'entre eux, sont déjà débloqués. Vu que mais tous ces avant-tout, voilà, Neo Geo Pocket, les bornes d'arcade n'existaient pas chez nous. Donc le jeu est mieux côté PAL. Je ne l'ai pas malheureusement. Ensuite,
un jeu également tiré d'une licence qui est extrêmement sympathique, mais pareil, pas hyper beau, le Jojo Bizarre Adventure. Alors, est-ce qu'il y a un sous-titre? Non, c'est juste Jojo Bizarre Adventure. Un jeu très sympa, plutôt cool. J'y ai pas énormément joué, je vous avoue. J'ai testé comme ça rapidement. Je ne suis pas un grand fan de la série Jojo. J'ai regardé, je crois, j'ai regardé les Stardust Crusader. J'ai regardé la première saison, mais en mode OAV à l'époque, qui était sorti en DVD par Manga Distribution, ou Manga Distribution il me semble, de mémoire. Voilà, j'aime bien, mais sans plus, c'est ce qui fait que je me suis jamais non plus trop attardé sur ce jeu. Ensuite, il nous reste donc quelques jeux Capcom également. Alors, un Project Justice, Moero Justice Gakuen, donc qui est en fait un Rival School 2, qui est sorti pour le coup également en PAL. Un jeu très sympa, vous jouez dans une équipe de 3 personnages en mode Team Battle. Vraiment cool, vous pouvez d'ailleurs faire des super avec les 2 autres personnages de votre équipe. Vraiment très sympa, en 3D. La 3D est pas folle, mais ça reste un bon jeu, bien défouloir. Et surtout avec un humour un peu à la japonaise, style, en gros vous évoluez dans des écoles, en fait chaque école ayant des spécificités. Et donc vos personnages, vous allez avoir un peu le furio en fait de l'école, vous allez avoir la petite écolière avec sa jupe, vous allez avoir le mec qui fait du baseball, de l'équipe de baseball de l'école, etc. Vous allez avoir le professeur, enfin voilà. Vous allez avoir une pléthore en fait de personnages qui sont tous issus du système scolaire japonais, et avec des situations bien délires et bien drôles également, notamment dans certaines attaques, dans certains combos, etc. Donc, plutôt cool. On y est presque, je commence à avoir un peu soif là, j'ai beaucoup parlé. Alors, ensuite, on a quoi ? On va avoir la suite donc du jeu dont je vous parlais tout à l'heure, que j'apprécie pas et que beaucoup de gens adorent, le Power Stone 2. Pareil, pas hyper fan du jeu, même si on peut y jouer à 4. J'y ai pas énormément joué non plus, ce qui explique peut-être que j'ai pas forcément d'affect pour ce jeu. Je sais que c'est un des meilleurs opus qui existent, parce qu'il y a aussi des opus qui sont sortis, si je ne dis pas de bêtises, sur PSP, en tout cas des remakes. Mais voilà, moi je suis pas hyper fan de Power Stone, j'ai toujours eu un peu de mal dans le système d'arène qui a été mis en place, dans la maniabilité notamment pour récupérer des objets, etc. Voilà, c'est mon avis perso. Et on termine bien entendu avec une énorme série et une très belle série sur Dreamcast. Déjà les Street Fighter 3, W Impact et First Strike. Donc ce que je dois vraiment présenter ces jeux, je ne pense pas, sur des conversions presque parfaites de l'arcade. Le First Strike étant évidemment la quintessence, on va dire, du jeu de combat Street Fighter 3, avec sa pléthore de personnages, avec son système de combat extrêmement pointu et extrêmement technique, avec notamment ses counters à faire en faisant avant, ce qui était complètement aberrant pour l'époque, vu que pour se défendre on a l'habitude plutôt de faire arrière, alors que là pour anticiper, et en tout cas par exemple vous aviez une boule de feu qui arrivait sur vous, bam, vous faisiez avant, vous l'encaissiez, vous pouviez directement enchaîner derrière. Et c'est un système qui était extrêmement difficile et qui demandait beaucoup de pratique. J'ai jamais été extrêmement bon à Street Fighter First Strike, enfin 3, de manière globale, personnellement. Mais ça reste un jeu que j'apprécie, surtout que graphiquement, il avait vraiment une patte très intéressante. Moi j'adorais l'aspect graphique. Le boss de fin est un... je pèse mes mots, mais vraiment, très difficile. J'ai vraiment à chaque fois beaucoup de mal à le battre. Donc voilà, mais dans l'ensemble un excellent jeu, et le W Impact étant la version précédente, il reste également très bon. Il y a quelques petits changements d'un point de vue technique, d'un point de vue coût, etc. entre les deux opus. Bon, moi j'ai surtout joué au Force Strike personnellement, le W Impact est surtout pour la collection. Et enfin, le dernier, le Street Fighter 03, pareil, qui est sorti en PAL, qui est le dernier opus sorti donc de la série 0 ou Alpha chez nous. Qui était sorti également sur Sega Saturn, en toute fin de vue de la console, avec une grosse cartouche de RAM. Ici on a une version quasi arcade perfecte, qui est vraiment excellent, avec plus d'une vingtaine de personnages jouables. Donc pour rappel, la série des Street Fighter 0, Street Fighter Alpha, se déroule avant Street Fighter 2. Donc vous allez avoir des personnages qui sont jeunes, vous allez avoir un Ken avec des cheveux longs, enfin voilà, des personnages beaucoup plus jeunes en fait. Et vraiment une licence extrêmement sympa, et vous allez retrouver beaucoup de personnages de 0 qui vont ensuite se retrouver dans Street Fighter 4
et 5, je connais pas très bien le 5, mais dans Street Fighter 4 en tout cas, tel que Gen, tel que, il y a Sodom également, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Sodom, tel que Adon également, vous retrouvez dans Street Fighter 4, qu'est-ce que vous allez, vous avez Guy évidemment aussi, qui vient de la série Final Fight. Enfin voilà, vous avez une pléthore de personnages et tous étant très bons. Alors chose importante à savoir d'ailleurs pour deux, d'ailleurs pour le Street Fighter 03, j'y pense en parlant, ainsi que pour, je vais pas le retrouver, mais le Vampire Chronicle, si vous le passez sur votre console japonaise sur une télépale, le jeu bug et vous allez en fait avoir un jeu complètement buggé sur votre écran. Il faut donc jouer au jeu soit sur une console japonaise, soit tout simplement sur une version copiée avec un patch qui permet de faire passer le jeu sur votre console PAL. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour souhaiter un très bon 20e anniversaire à la Dreamcast, une très très belle console, la dernière console malheureusement de Sega. J'espère que cette petite collection de jeux de combat vous a plu. N'hésitez pas à laisser bien entendu un petit commentaire si vous le souhaitez et un petit pouce bleu. Si vous le souhaitez, partagez également, ça paye toujours, c'est toujours intéressant. Et puis ben, moi je vous dis peut-être, qui sait, pour une prochaine vidéo. Promis, ce ne sera pas dans 10 ans, mais ce ne sera pas le mois prochain non plus. Ce sera quand j'aurai un petit peu de temps. Allez, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !